Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, je vous enseigne la psychologie du succès en immobilier. Je me présente, je suis Stéphanie Milo, je suis investisseur immobilier et fondatrice du programme Immo Réussite. Et oui, aujourd'hui, je vous parle du thinking, comment les investisseurs immobiliers à succès pensent. Et quand je dis investisseur immobilier à succès, même si vous en êtes à vos débuts, même si votre objectif, c'est de dire « Mais moi, là, Stéphanie, je veux juste acheter ma première propriété », il y a une façon de penser et je vous l'enseigne aujourd'hui. Premièrement, je dis toujours la même chose dans mes conférences, écoute pas les gens qui t'aiment. Pourquoi? Et puis, je prends mon propre exemple personnel. Moi, au début de la vingtaine, quand je suis allée voir mon père et que je lui ai dit « Papa, je suis toute excitée, j'achète mon premier immeuble à revenu. » Écoutez, j'avais 22 ans, mon père m'a regardé et m'a dit « Es-tu tombé sur la tête? » Mon père n'était pas un investisseur, on n'était pas des entrepreneurs dans ma famille. Et pour lui, parce qu'il m'aimait, hein, parce qu'on s'entend, c'est pas quelqu'un qui voulait briser mes rêves, mais parce qu'il m'aimait, il voulait me protéger. Parce que lui avait entendu toutes sortes de choses sur l'immobilier. Donc, faites attention, un, à qui vous vous confiez et écoutez pas les gens qui vous aiment parce que je vous le dis, souvent ces gens-là vont vous transmettre leur propre peur. Et j'ai envie de vous dire un autre conseil. Non seulement écoutez pas les gens qui vous aiment, mais n'écoutez pas les gens aussi qui ont eu des défis dans l'immobilier, qui ont vécu des problèmes et qui ont décidé de sortir du marché immobilier. Et ça, il y en a toujours. Si vous commencez à dire « Moi, je considère investir en immobilier », il y en a toujours un qui va être là pour vous dire « Oh mon Dieu! Hey, moi, mon beau-frère a acheté un immeuble, ça a été une histoire d'horreur. » Ou « Mon voisin a acheté un duplex, puis ça a viré à la catastrophe. » Il y en aura toujours des gens comme ça. Et savez-vous c'est qui ces gens-là qui ont eu des mauvaises expériences en immobilier? C'est des gens qui n'ont pas fait leur devoir, qui n'ont pas fait des bons investissements, qui se sont pas formé. Alors évidemment, jamais je ne vous conseillerais d'investir en immobilier si vous ne décidez pas de vous former. C'est super important. Deuxième stratégie, allez chercher ce que j'appelle des contre-exemples. À chaque fois que vous avez une petite crainte, une petite peur qui arrive dans votre cerveau, puis vous allez en avoir. J'en ai eu, je suis passée par là et j'en ai encore aujourd'hui. Quand je veux atteindre un autre niveau, le jour où, parce qu'il y a un moment dans ma vie où au départ où j'ai acheté mon premier triplex, j'avais des craintes. Mais veux pas quand tu vas plus loin dans la carrière d'investisseur, le jour où j'ai décidé d'acheter mon premier 8 logements, c'était une première pour moi, puis j'en ai eu des peurs, puis j'en ai eu des moments où je me réveillais puis je me disais oh, est-ce que je fais la bonne chose? J'avais le syndrome de l'imposteur, est-ce que j'ai assez d'expérience? Alors c'est normal, c'est humain. Mais dans ce temps-là, quand vous avez ces craintes-là, allez chercher ce que j'appelle des contre-exemples. Allez, posez-vous la question, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ce que je m'apprête à faire et qui ont réussi? Et la réponse, à 100%, c'est sûr que oui, ça existe. Et si ces gens-là l'ont fait, pourquoi est-ce que ce ne serait pas vous? Et fort probablement que ces gens-là se sont formés, c'est des gens qui sont aujourd'hui qualifiés, pour ça qu'ils sont des bons investisseurs immobiliers, mais pourquoi est-ce que ça ne serait pas vous? Et troisième stratégie vraiment importante, puis je termine avec ça, formez-vous. Je ne le dirai jamais assez. Lisez sur l'immobilier, allez sur le web, il y a plein de ressources tout à fait gratuites, il y a plein de vidéos, moi j'en développe, il y a des programmes en ligne aussi que vous pouvez vous procurer, moi j'en ai développé un, Immo Réussite. Donc, allez chercher la formation, allez chercher les compétences, n'entrez pas à l'aveuglette sur le marché immobilier, c'est trop sérieux, c'est votre argent dont on parle. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous dites « Oui, moi j'ai le goût de me former, puis ça m'intéresse », j'ai développé une série de vidéos, c'est gratuit. Vous allez pouvoir en savoir plus sur comment débuter en immobilier ou peut-être comment grossir votre parc immobilier. Très simple. Tout ce que vous avez à faire, vous allez cliquer ici et vous allez pouvoir entrer votre email. Et à ce moment-là, vous allez avoir accès à cette série de vidéos tout à fait gratuitement. Alors, je vous dis merci de votre confiance, merci d'être là, merci de passer à l'action. Cliquez, c'est le temps. Et on se voit dans une prochaine chronique. Salut!